question, le colonel Mamadi Doumbouya a attendu à Bamako ou pas? Oui, en tout cas, c'était dans son premier déplacement à l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a aucune communication officielle autour de cela. Il n'y a pas eu de communiqué passé à la télévision nationale. Mais beaucoup de médias de la place en parlent depuis hier. Et ça a tendance à se confirmer, puisqu'on insiste là-dessus. De Mosaïque, en passant par Média Guinée à Africa Guinée, on insiste que des sources dignes de foi nous informent que le colonel Mamadi Doumbouya, donc le soleil, pourrait donc se déplacer vers Bamako cet après-midi pour donc d'abord prendre part donc à la célébration du 62e anniversaire, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. De l'indépendance, Du Mali, qui doit donc se faire demain. Ouais. Et puis 22 septembre, donc en marge de justement cette célébration, Mamadi Doumbouya pourrait donc mettre ce déplacement à profit pour, si vous voulez, continuer sa médiation. Ou la parachever tout simplement. Évidemment, sur la question des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako, je crois que 49-3 maintenant, on apprend que cela pourrait se terminer par une sorte d'honneur fait à Mamadi Doumbouya en lui remettant, en tout cas en lui mettant à disposition ses militaires afin qu'il les ramène ou qu'il les fasse ramener en Côte d'Ivoire. Et on attend tout ça. Mais l'autre chose, c'est que, voyez-vous, c'est une transition à Bamako. Ouais. Et Goïta, il est un peu en belligérance avec beaucoup d'autres chefs d'État, notamment de la CEDEAO. En termes de soutien, je pense que si Mamadi se déplace, ça, c'est une sorte de grand soutien. De grand soutien. Étant donné qu'on connaît leur rapport, je ne vois pas Alassane, je ne vois pas quel autre chef d'État se rendre demain. Mais pendant ce temps, les autres chefs d'État de la sous-région, ils sont à New York. Oui, bien sûr, c'est voilà. Ce que je dis. Voilà. En temps normal. Il ne restera que les deux. Oui, c'est pratiquement, cela. Voilà. En plus, voilà. Les deux qui vont continuer à faire ami. Ceux qui ne se déplacent pas se consolent. Est-ce que l'autre. Vous dites, ceux qui ne se déplacent pas se consolent. Donc la fête d'indépendance du Mali, c'est le lot de consolation pour les deux. Oui, c'est un peu cela. Voilà. Il y a Damiba, la question Damiba me reste dans la tête. Est-ce qu'il va se joindre aux autres pour en faire un trio? La question. Peut-être que lui, il peut être invité à prendre la parole à la tribune des Nations Unies. Pourquoi Damiba, pas? Oui, bien, pourquoi pas? Damiba, oui, parce que la transition, elle est bien calée. Oui. Elle est bien calée. Elle est sur orbite au Burkina. Au Burkina, moi, je pense que, voilà, il devrait être invité au sommet à l'Assemblée générale des Nations Unies pour prendre la parole. Et pour décliner ce qu'il entend par une transition inclusive, une transition apaisée et réussie. Parce qu'il peut discourir là-dessus, c'est important. Mais absolument, il y était annoncé. C'est important. Il y était annoncé. Donc reste à voir, parce que hier, c'est Macky Sall qui a pris la parole en tant que président en exercice de l'Union africaine. Donc c'était le premier président du continent donc qui a pris la parole. Le reste va suivre aujourd'hui sans doute. On verra si Damiba prendra la parole là-bas ou pas. Mais il faut signaler que si Mamadi se déplace, ce sera son plus et premier long voyage en dehors de Kindia bien entendu. Pour cette première fois. Donc attendons de voir que tout cela s'officialise. Ah Abakar, puisqu'on parle de Mamadi Doumbouya, il faut rappeler qu'en Guinée désormais il y a un enfant qui s'appelle Général Lansana Conté Doumbouya. Oui. Non, Lansana Doumbouya. Non, pas Lansana Conté Doumbouya. Non, son homonyme, c'est Feu Lansana Conté. Oui, mais il s'appellera Lansana Doumbouya. Abaka, c'est Lansana Conté Doumbouya. Très pour bien. La précision. Très c'est bien. L'homonyme de Lansana Conté. Très bien. Donc, c'est le petit du colonel Doumbouya. Bien. On apprend que c'est un gouvernement de prospection parce qu'il y a beaucoup de baptêmes chez les ministres et même chez le président. Oh là là, voilà, soit dit en passant. Voilà, votre regard sur ce possible déplacement du colonel Mamadi Doumbouya à Bamako. Je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux avant même que les sites ne s'en délectent. Ouais. Ça serait, comme vous l'avez rappelé, le premier grand périple du colonel au-delà de la Guinée. Et je crois que, vu déjà que les deux frères d'armes, le colonel Goïta et le colonel Doumbouya, marchent la main dans la main. C'est une façon de se serrer les coudes face à l'épouvantail de cette CEDEAO qui, de l'autre côté, tiendra un sommet qui, certainement, pourrait lui donner une opportunité pour sévir. Pour sévir, même si pour le moment,
on ne le souhaite pas pour nos États parce qu'en cas de sanctions, ouais. le chef ne souffre jamais, c'est le peuple qui va trinquer. L'occasion pourrait aussi être opportune pour le colonel de faire coup double, comme ouais. l'a rappelé Mamadou Houry, à savoir aplanir cette divergence entre les deux capitales Bamako et Abidjan. Et la lagune Ébrié à Abidjan. Pour parvenir à obtenir l'élargissement de ce commando ivoirien qui a été kidnappé ou arrêté à Bamako. Ouais. Ça serait vraiment un grand coup pour le colonel, puisqu'il ne faut pas le nier. Le président Ouattara, il compte beaucoup dans cette sous-région. Ouais. En ce moment, c'est l'une des grandes voix de la sous-région et bien entendu. Avoir sa bénédiction, ouais. c'est du pain béni. Bien entendu. Alors, cette question, Talibé, quel bénéfice politique le colonel Mamadou Doumbouya pourrait tirer d'un tel succès diplomatique s'il venait à se produire, c'est-à-dire qu'il réussisse à convaincre son frère Goïta à mettre ses 46 militaires ivoiriens à sa disposition pour qu'ils soient retournés à leur pays? Quel bénéfice politique, en tout cas au niveau de la sous-région et vis-à-vis de la CEDEAO notamment. Oui, bien sûr, le colonel, s'il se déplace sur Bamako, ça veut dire que implicitement le principe justement est acquis. Parce qu'il ne souhaiterait pas que tout le monde l'annonce pour Bamako à l'effet de récupérer ses militaires et qu'il quitte Bamako sans ses militaires. Donc s'il y va, c'est parce qu'il a certainement l'accord de Assimi Goïta. Ouais. Deuxièmement, ouais. c'est qu'il aura contribué... C'est vrai qu'on a du mal à croire que Assimi Goïta refuse cela au colonel. Absolument. Ouais. Et vous savez... Au regard de tout ce que la Guinée représente pour le Mali, au regard de tout ce que... Ça serait d'ailleurs une porte de sortie. Tout ce que le colonel a offert à son frère. Une porte de sortie pour eux aussi. Tout ce que le colonel a offert au Mali, le Mali sous sanction, notamment de la CEDEAO. Oui, Aboubakar, on a annoncé ici que le ministre des Affaires étrangères avait été à Bamako, non pas pour voir l'état piteux de l'ambassade de Guinée à Bamako, mais c'était plutôt pour négocier et commencer à discuter avec les autorités maliennes sur cette question. De là-bas, il avait été à Abidjan. Ouais. Justement, il a certainement rencontré là-bas aussi des autorités et pourquoi pas peut-être le président Ouattara, qui... selon nos informations, c'était dit ouvert à ce que la Guinée intervienne. Donc, l'un des premiers avantages, c'est que Mamadi Doumbouya aura contribué à une désescalade ouais. dans une crise dont certains pensent que si rien n'est fait, elle peut entraîner une confrontation entre les deux pays. Tout à fait. Parce que Ouattara n'entend pas se laisser faire. Ils ont, vous savez, Abidjan a crié au chantage lorsque Bamako a demandé qu'en échange de ses militaires, que des opposants qui sont réfugiés à Abidjan soient extradés. Ouais. Donc Mamadi aura sorti une grosse épine à la fois des pieds de la CEDEAO mais aussi des Nations Unies puisque Ouattara en avait, ça n'était ouvert au secrétaire général des Nations Unies afin ouais. que ouais. L'ONU intervienne dans cette crise. Et maintenant pour Mamadi lui-même et pour la transition, ouais. c'est que voilà, Mamadi peut bien être quelqu'un qui peut obtenir des résultats et donc aider à régler. Mais pour la junte elle-même, pour Mamadi lui-même, Ouattara ne peut pas ne pas s'en rappeler, ne peut pas ne pas se souvenir que ouais. oui, à un moment donné, Doumbouya l'a aidé à sortir d'une crise qui pouvait affecter lui, son image auprès de sa population. Tout à fait, ouais. Et qui aurait pu le considérer comme étant un incapable. Ouais. Et puisque Mamadi l'a aidé à sortir de là, et Ouattara étant une voix importante dans l'espace ouest-africain, et auprès de la France dont on dit que c'est le pays européen qui soutient le plus cette junte. Donc ça va raffermir certainement certains liens que l'on trouve distendus entre Bamako, entre Abidjan et Conakry, donc entre Ouattara et Mamadi. Et le Parlement M5, oui, cabinet, le regard du politiste. Non, s'il parvient à résoudre ce problème-là, ce serait tout bénéf pour la sous-région et en termes de dividendes, Mamadi. Des dividendes politiques. Des dividendes politiques, Mamadi, ce serait donc fait donc. Ce serait offert un gros succès. Un gros succès. Après, pour pouvoir peut-être donner du sens à cela, il faut déjà résoudre la crise interne en Guinée. Et de ce point de vue, ouais. on peut considérer que le décret qu'il a pris pour donc instituer le cadre
dialogue inter-guinéen inter-guinéen s'inscrire dans cette dynamique-là et que ça prouverait qu'il a la volonté ou qu'il peut lâcher du lest quand cela est bénéfique et possible. Et je pense qu'il faut résoudre les problèmes internes parce qu'il y a d'abord une crise en Guinée à résoudre. Oui, très rapidement, pour terminer. Une question toute bête, est-ce que c'est l'avion présidentiel du Mali qui viendra le chercher ou est-ce qu'on a négocié pour, enfin, on va affréter un vol pour cela? J'ai envie de savoir parce qu'on est dans... On va poser la question à MMS, voilà, du côté du... Côté dépenses. Docteur Fode Oussou Fofana, vice-président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, a fait une mise au point ce lundi 19 septembre 2022 après la sortie du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. L'ancien militant et cadre de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, s'exprimant chez nos confrères de FIM, a insinué que l'ANAD n'aurait rien à proposer. C'est pourquoi elle continue de poser des préalables pour rejoindre la table de dialogue.